Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble, pas à pas, un album photo gorgeous. Voilà, depuis le temps que j'avais envie de le faire, j'ai dit c'est le moment ou jamais. Donc j'ai sorti mes papiers gorgeous. Alors, je sais pas trop, c'est pas calculé, je sais pas trop où je vais. Donc j'ai sorti celui-là. Donc je vous montre derrière. J'ai pris les papiers qui sont à peu près à sortir. J'ai pris celui-là. Il y a tout ça. Enfin, et le 30-30, celui-là, où il y a tout ça dedans. Voilà. Donc, ça, je les laisse de côté pour le moment. Je vais travailler avec mon papier trophée noir 160 grammes. Voilà. J'ai sorti du blanc aussi. Je ne sais pas si je m'en servirai. Et j'ai sorti aussi ces tampons. Voilà. Et celui-là. Ça, ça c'est des chutes. Alors, on va commencer. On va faire les pages d'abord. Je sais pas. Sais pas si je fais un mini ou pour mettre des photos plus petites que du 10-15 ou si je fais un 10-15, je sais pas. J'ai jamais fait en mini et j'ai bien envie d'essayer de faire un mini. Donc je sais pas trop, ça changerait pour faire avec des mini photos. Vous savez les petites là, comme les Polaroid d'avant, mais je sais plus le nom. Je sais que ma fille elle en voulait un Noël. Qu'est-ce que je fais? Celle-là, si je fais du 15. Ouais, on va faire du. Je sais pas. Donc alors je vais faire des pages de 17 sur 17. Ouais. Ou 16. Bon, on va faire 16 sur 16. Bien sûr, vous adaptez les mesures comme vous voulez. Donc je fais un pli à 16 cm. Sur la longueur de 29,30, 29 et demi, pardon. Et pareil, je retourne mon papier et là, je viens faire un pli à 16 cm aussi. Donc, 16 cm, je retourne 16 cm. On obtient ceci. Bien sûr, vous ne voyez pas. Là, avant de plier, je vais venir couper cette partie-là pour séparer la page. Donc, je me mets au bord et je coupe. Pareil de l'autre côté. Et là, je viens couper net. Voilà. En fait, j'ai coupé à la pliure sur les deux côtés, en fait. Ça, c'est l'espace de la pliure. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à venir plier mes rabats.
Et on obtient la première page. Alors là, les petites pochettes, enfin le petit volet du bas, on peut le mettre à l'intérieur aussi, hein, si on veut les mettre face à face. Comme ça, quand on ouvre, voilà, c'est au choix. Et donc là, pour le derrière, du coup, moi, j'ai plein de petites chutes comme ça. Donc, je vais m'en servir pour faire mes pochettes. Si vous, vous n'avez pas de chute, ben, vous rajoutez 1,5 cm de chaque côté où vous allez vouloir faire la pochette. Donc, moi, la pochette, elle va se faire dans ce sens-là, sur le côté. Donc, je vais venir coller mes rabats en haut et en bas. Là, ce sera pour la reliure. De ce côté-là, ce sera pour la reliure. Et là, ce sera la pochette. Donc, on y va. J'ai fait un pli à 1,5. Et là, j'ai plus qu'à plier mes languettes. Là, je reprends ma pochette. Et là, en fait, je vais découper directement comme ça, en fait. Ouf. On va faire ça bien. Donc, de 16 cm, je vérifie d'abord. De 16 cm, alors je coupe. Voilà. Je vérifie bien sûr que ça dépasse pas. Et là, ça va. Donc, je viens mettre un bout de double face. De chaque côté, du coup. Pareil sur l'autre. Et là, par contre, moi, je vais couper un tout petit peu en biais sur les pointes. Pour pas que ça fasse trop d'épaisseur sur les bords. Après, il y en a, ils le font pas et ça marche bien aussi. Donc, c'est vraiment comme vous avez envie. Donc là. Là, par contre, je vais mettre de la colle comme ça. Si je me trompe, ben, je pourrais bouger un peu. Et donc, on va venir le coller. Alors, on se met au bord. On vient appuyer.
Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie hein, parce que là c'est bon. Hop. Donc là le devant et on vient coller maintenant le derrière. Donc c'est là où ça change si vous n'avez pas de chute comme moi, que vous ne faites pas les petites languettes comme ça. C'est que vous, au lieu de couper du 16 sur 16, vous allez couper du 16 plus les rabats. Donc 16, du 19 sur 16. Et vous viendrez faire les rabats sur la longueur de 19 cm. Voilà, c'est la différence entre les languettes et si vous n'avez pas de chute. Donc ça va pas. Je regarde d'abord dans mes papiers. Donc cm. Oh, ce serait beau ça. Ben voilà, moi j'ai un papier de 16 sur 16 déjà. Donc c'est très bien. Et donc celui-là, ben, on va venir le coller de l'autre côté. Alors par contre, je vérifie que ça tombe bien avant. Voilà. Et donc là, ben, je viens coller. Alors pareil, là je rajoute de la colle pour que je puisse le bouger si jamais. J'appuie. Et que je le décolle un petit peu. Voilà. Vous voyez pourquoi je mets de la colle. C'est plus facile après. Voilà. Normalement. Là, j'appuie bien, on a bien collé. J'en mets partout, bien sûr, mais ça, c'est pas grave. On a l'habitude. Et là, ben, j'ai pu faire venir coller le bas. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus long avec les chutes comme ça. Mais bon. Après, au moins, on se sert des chutes. Donc, voilà. Et là, on obtient notre pochette. Je ne vais pas trop le toucher. Là, je vais laisser sécher comme il faut d'abord. Donc, on a pour la reliure et la pochette. Donc voilà. Donc ça, ce sera à peu près la base de page pour tout l'album. Après, je vais pas en faire un trop gros. Je verrai au fur et à mesure, mais bon voilà. Donc du coup,
là, je vais commencer à décorer cette page-là. Donc, je vais prendre mes papiers. Je vais commencer par les 15-15, du coup, puisque vous voyez, les 15-15, c'est pratiquement la taille. Oh, vous êtes trop haute, pardon. Hop. Donc, voilà, hein, c'est pas... ça. Par contre, là, je vais venir mettre pareil des languettes. Quoique, je sais pas. J'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur après. Ouais, non. Donc. Mignon. Je vais faire un boulet d'en haut vers le bas. Parce que ben là, je peux pas puisqu'il y a la pochette. Donc ça, c'est clair que je vais le faire comme ceci. Par contre, non, je la collerai après la pochette. Je vais la coller après parce que sinon ça va faire du, ça va pas faire hein. Je suis désolée, je réfléchis en même temps du coup et. Pas mal faire un volet comme ça. Ouais, donc là je vais faire un pli à 1,5. Donc là genre c'est des chutes hein, d'accord, donc ma chute est fait 13,7 sur 21. Donc là je viens faire un pli à 1,5, à 1,5, à 1,5. Je me fais partir de là. Donc 1,5, donc ça me fait à 1,5. Donc à 16. Et là, pareil, je viens plier. Et en fait, là, je ferai une petite pochette. Voilà. Bien sûr, vous pouvez le couper si vous voulez. Moi, là, je me dis que c'est pas mal comme ça parce que ça fait une petite pochette là sur le rabat. Voilà. Sauf que je ne sais pas s'il est très droit, mon papier. Je ne sais pas si c'est bien droit. Ouais. Avant de le coller, je viens faire une bordure avec ma perforatrice. Celle-là, là, c'est la maille. Ouais. Donc, je viens perforer. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, mon rabat va se présenter comme ceci. Donc là,
Ben, je viens coller. J'y suis. Ma lingette est pas trempe là, hein. Elle est presque sèche. Hein. Et là, on obtient la petite pochette. Je fais bien adhérer là parce que. Voilà. Là, bien sûr, je vais venir le coller. Donc, double face. Je coupe pas les angles, c'est pas la peine, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc là, je dis que ça faisait combien. Je vais essayer de le mettre à peu près au milieu quand même. Hein. Donc 13,5. Donc. Ouais, voilà, comme ça, ça va. À peu près au milieu. Hein. Et donc là, je viens le coller. Bon, je suis pas trop au milieu. Je suis pas trop au milieu quand même. Bon, tant pis. On dira que c'est fait exprès, personne ne le saura. Mais. Donc voilà ce que ça va donner en fait. Donc là, je vais coller mes bords de ma pochette. Ah ben non, attendez. Bon, tant pis, trop tard. Si vous voulez faire une bordure, c'est avant de coller la pochette. Ouais. Faites pas comme moi. C'est pas grave, ça fera aussi joli. Donc voilà, je mettrai des aimants, je pense, pour fermer, ce sera mieux, ça fera moins d'épaisseur que si je commence à mettre des bras et tout ça. De toute façon, j'en ai pas sorti, mais bon. Donc ça, ensuite là, j'avais envie de mettre des petits volets. Donc là, je vais faire des petits volets de. Vous savez, comme des volets en fait. Enfin, des volets. Oui. Des portes. Des petites portes. Donc là ça fait 13,5, 13,8. Donc là je fais un pli à 1,5. Pour faire pour le coller. Et là je vais faire donc là déjà je vais couper à 16 pour la longueur puisque ma page fait 16 cm. Et du coup non en fait voilà 15 cm, mais je prends en compte le rabat
ce qui va me faire en fait un volet de 13,5, si je me suis pas trompée, hein. Voilà. Donc, ça fait 13,5. Donc là, par contre, non, je vais enlever 1 cm. Donc, du coup, là, j'étais à 13,5. Bah donc je coupe à 12,5. Voilà, je vais vérifier quand même, parce que ça me paraît pas très droit le truc. Ouais. Donc cm de large. Je fais un pied à 1,5 et la longueur est de 16 cm. Et là, je viendrai le coller. Donc, je fais une bordure avec ma perforatrice. Et là, ben, je vais venir le couler tout simplement. Alors, par contre, après que je m'assure. Que je ne dépasse pas sur le bord. Hein, puisqu'il y a la pliure. Donc, double face, je coupe les angles pour pas faire trop d'épaisseur, un petit peu. Voilà. Hop. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en fait, hein. C'est vraiment du pif, hein. Comme souvent avec moi, mais bon. Là. Donc là, je viens me mettre à peu près droite. Je vérifie que ça ferme bien. Que je ne sois pas sur la première. Et là, je viens appuyer. Voilà. Je vais faire un autre volet de l'autre côté. Donc, là, pareil, je viens couper en longueur à 6 cm. C'est des chutes de papier. Hein. C'est pour ça que je ne donne pas trop de dimensions là. Parce que... Et après, de toute façon, c'est comme vous voulez. Là, je viens faire un pli à 1,5. Je viens vérifier. Hop. Bien. Là, je fais... Donc, pour moi, là, ce volet, il fait... 11,2 cm. Moins, puisque je vais faire la bordure. Mais bon, voilà, pour vous donner une idée à peu près.
Voilà. Hop. Et là, pareil, on va venir la couler. Couper un peu les angles pour éviter l'épaisseur sur les angles. Et là, alors là, par contre, contrairement à d'habitude, je vais essayer de décorer les pages en même temps pour être sûre d'avoir assez de papier. Je vais vérifier que j'étais bien droite en fait. Donc voilà ce que ça va donner, c'est comme ceci. Je mettrai sûrement un aimant, quelque chose pour le maintenir. Là, je vois que ça déborde de même pas un millimètre, mais du coup, je vais l'enlever quand même. Parce qu'il ne faudrait pas que ça me gêne après. Donc ça, par contre, ouais, donc ça va bloquer en haut. Puis là, je veux pas trop d'épaisseur parce que là, j'ai pas fait les 0,5 pour l'épaisseur. Donc du coup, ça va bloquer. Après, ça va pas faire joli. Donc là, je vais arrêter là pour cette page. On va la décorer. Hein, donc. Bon, je vais regarder ce que je fais parce que faut que je choisisse qu'est-ce que je vais faire. Donc du coup, ben, on se retrouve tout à l'heure.